bien position 2, c'est-à-dire la cible plus basse que l'horizontale, vous avez donc une préparation droite, puis la bascule pour remonter sur la cible. Ne faites pas ça et tirez. Il faut basculer plus pour revenir. Et là, vous pouvez tirer. Il ne faut pas changer surtout la parallaxe. Parce que si vous faites ça, voyez là, vous avez changé l'angle. À la limite, si j'exagère, voyez, cet angle-là n'est plus du tout aligné. Donc vous avez une position idéale à l'horizontale, il faut la garder. Donc basculement du corps. Donc vous basculez, vous prenez une bonne position. Voilà. Basculez plus pour remonter. Et là, vous faites votre mouvement. Voilà. Jambe à l'horizontale. Voilà. Je tire en bascule. Donc. Voilà. Bien, pour les conditions particulières, c'est-à-dire pour des tirs sur des cibles au-dessus de l'horizontale ou en dessous, il vous faut prendre des positions de bascule, c'est-à-dire soit dans cette position avec la jambe avant, bascule, ou l'inverse, la jambe arrière. C'est à vous de voir la position qui vous satisfait le mieux. Voilà, vous dégagez bien la jambe avant, de façon que votre arc ne vienne pas en buter. Donc je suis à 3 mètres, vous réglez sur 3 mètres, comme dans la position debout. Maintenant vous armez toujours en position horizontale. Ensuite vous allez basculer. Donc je suis en position horizontale, je viens donc en accroche, bonne position, je monte, je bascule. Voilà. Bascule. Pour vous relever, c'est pas marrant. Je sais. Donc voilà, à 3 mètres, on bascule. Remettre en bascule. Voilà.